Salut à tous. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Il s'appelle Anthony Edwards. Et actuellement, alors que la NBA s'apprête à reprendre dans quelques semaines et on s'en réjouit tous, il va être probablement numéro 1 de la draft. Nous, on avait eu de la chance parce qu'on l'avait récupéré à l'été 2020. Je vous avais dit que c'était ma priorité, tout comme Cole Anthony. Donc j'ai eu un des deux, ce qui est déjà génial. Et puis dans ce début de partie, en vérité, déjà pas mal de choses à signaler. On avait souffert, on avait aussi dégraissé, on avait finalement opté pour un trade. Je vous avais fait voter et tout par rapport à Blake Griffin pour appâter le pigeon des Wizards. On avait donné Derrick Rose dans la balance et de ce fait, on a récupéré un super top meneur. Et puis comme ça, notre petit Anthony Edwards, il a un peu moins de pression. Il est voilà, il est en développement avec un papa à côté. Et puis après, c'est sûr que notre équipe, elle est quand même faite de briques et de brocs parce que bah, ça demande d'être étoffé quoi. Et bon, il y a des petits coups qui ont été réalisés, il y a des petites affaires par-ci par-là, mais c'est quand même John Wall qui tient la balle et qui est le chef là-dedans avec Edwards quand il le peut. Pour contribuer au scoring, hein. Essentiellement en playoff, on n'avait pas été ridicule. Bon, c'est même une surprise carrément, hein, puisque défaite en finale de conf, ok, mais n'empêche, finale de conf, jamais de la vie on se serait attendu à aller là-bas. Vous allez voir que ça peut évoluer sur la saison qui va suivre parce que franchement, ils sont coquins, le Heat notamment, New York, enfin, ça peut devenir délicat avec Atlanta aussi. Puis je vous parle même pas de l'Ouest qui va devenir super équilibré. Donc, c'est parti. On avait des objectifs. On avait des objectifs qui étaient la recherche de talent, là. On avait identifié quelques joueurs à la draft présentée comme potentiellement hyper intéressants. Et je veux parler évidemment de Ibu Dianko Badji, qui pourrait être un très bon joueur pour nous. Sur ce poste de pivot qui est actuellement occupé, on va dire, par essentiellement Stewart, hein, puisque Maker arrive en fin de contrat et je crois qu'on va arriver probablement au bout de l'aventure. Donc c'est Asia Stewart qui peut porter notre avenir avec peut-être ce rookie. On verra parce qu'il va falloir arriver à le choper. Je suis prêt à sacrifier quoi? Parce qu'il faut toujours savoir ce qu'on est prêt à lâcher. John Wall, évidemment, non. Il va activer. Pardon. Il activera, ce sera l'été prochain. John Wall, il y a encore une année plus une en option. Edwards, on ne touche pas. Et Brown, il va falloir penser à le prolonger. On a également la question de Nassir Little, Mikal Yuke. On va activer tout ça. On va activer tout ça. Donc, ce que je pense lâcher, c'est Maker et Snell. Je pense que les deux partent. Robinson, j'activerais bien son option pour l'inclure dans un trade, en fait. Voilà. C'est une quatrième année de contrat rookie. Puisque Robinson, c'est un premier tour, hein. C'est un choix 13 de 2018. Hein. Donc Bone sera prolongé, on verra King ou pas. Et puis évidemment, on activera sur ses coups. Voilà, donc vous savez. Ce qui fait que par déduction, qui est-ce qu'on est prêt éventuellement à lâcher? C'est évidemment Christian Wood. Qu'on est prêt à lâcher si on voit qu'il y a une upgrade dans l'équipe, en fait. Il ne faudra pas hésiter. Il y aura une belle marge salariale, parce que là, il y a les cap-holds qui sont déduits, mais il va falloir décompter les cap-holds. Vous allez voir juste après. Les calculs sont rapides à faire, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est de quoi est-ce qu'on dispose au niveau de la draft. On va avancer. Ils vont nous le dire très rapidement. Donc de très grands noms qui prennent leur retraite, on en a un petit peu l'habitude sur NBA 2K, là, à ce moment-là, chaque intersaison. Donc voilà, hommage à Vince Carter, hommage à d'autres. Le Pop, qui était devenu coach des Bulls, merci l'IA, qui prend sa retraite. Bah, écoutez, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Ok. Entrant en Hall of Fame, et évidemment Vince Carter. Réunion de ligue, toujours être vigilant là-dessus. Par exemple, le bonus à partir de 4 fautes d'équipe commises en prolongation. Arrêtez de me bassiner avec des changements de règles comme cela. Après, c'est bien agréable. Hein. La règle Stepien, on va la laisser. 13 pour chaque All-Star Team.
À la limite, c'est celle-là que je trouverais le moins bête, vu que la ligue regorge de super talents, mais je laisse. Et non, on va plutôt toujours rester sur ce que je fais à chaque fois, à savoir les quatre moins bonnes équipes auront les mêmes chances d'obtenir l'un des trois meilleurs choix. Voilà. Ça peut être sympa parce que ça va dans l'air du temps, en fait. Pour limiter la volonté de tanker de certains. Donc, ça, c'est fait. Ralignement de la ligue, on n'a aucune raison de le faire ici. Allez, on part à la loterie. Et la loterie, c'est le moment où beaucoup de choses peuvent se nouer. Avec les Wizards, les Spurs, les Bulls, Rockets, Jazz sont favoris. Bon, eh bien, c'est parti, on jette la pièce en l'air. Thunder via Houston, énorme. Énorme, énorme, énorme. Ça veut dire que ça, c'est un résidu de pick qui avait été échangé au moment du transfert de Russell Westbrook en échange avec Chris Paul et des tours de draft. Hein. Donc, ok. A priori, en tout cas. Hein. Spurs, Cavs, Magic. Oh, les Bulls, comme ils se sont fait carotter. C'est terrible. Et donc, nos Pistons se retrouvent avec le choix 17. C'est très important. Choix 17 pour les Pistons. Allez, on y va. Recrutement, staff, alors c'est toujours des choses qui prennent du temps. Après, lesquelles ont un vrai impact, pour moi, c'est le préparateur physique qui a un impact, c'est le coach, parfois un peu l'assistant. L'assistant GM, c'est si vous voulez avoir des trades qui sont un peu plus agréables, qui vous soient proposés. Mais en My League, le directeur financier, j'ai envie de dire, peu importe. Après, on a toujours, oui, voilà, recruteur. Moi, je vais toujours prendre des gens qui sont pas contestés par l'IA, comme ça le trade se fait très rapidement. Donc vous voyez par exemple que du côté des Mavs, j'avais tout qui était correctement fait, sauf le directeur financier, là encore aucune espèce d'importance, voilà. Grizz, même combat. Donc vous voyez, c'est dommage, mais bon, enfin, c'est partie du jeu. C'est des choses qui font partie du jeu, donc voilà. Là, on a surtout Coach Casey qui continue. Ça, c'est important pour moi. Et on va voir, tout le monde accepte, c'est normal. Tout le monde accepte donc, on continue et on passe surtout à autre chose. Parce que c'est pas l'aspect du jeu qui est le plus intéressant. Par exemple, un truc que je montre jamais, c'est sur la supervision, pardon, finale, voir un peu quel type de joueur on pourrait avoir des informations complémentaires. C'est Evan Mobley hein, qui brille d'ailleurs du côté des Lakers dans la partie avec les Spurs. Hein. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais oui, ce joueur a l'air vraiment phénoménal. Mais en fait, voyage restant recruteur, j'en ai zéro. Du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé de continuer en vérité. Ce qui veut dire que je n'apprendrai pas grand-chose par là même. Dans la classe de draft, il y a aussi un autre joueur qui me paraissait, on va dire, intéressant. C'était, je sais pas où est-ce que je vais le trouver, mais c'est Mike McClung. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi on l'a pas. Je suis passé trop vite. Non, non, non. Bon, peu importe, il y sera. Et donc, à partir de là, bon, toujours pareil, là, on est sur des drafts combine. On n'a pas un énorme intérêt à voir ça. Après, je peux inviter 12 joueurs. Alors, évidemment, très naïvement, je vais aller inviter, par exemple, le top 3 prévisionnel. Mais ce serait surtout sur des choix ensuite hein, qu'on peut se porter. Par exemple, Greg Brown me paraît intéressant. On a comme ça des joueurs qui sont assez intéressants. Hein. Il faut pas se le cacher. Le meneur DJ Stewart, ben, je suis un peu gêné parce que il est de petite taille, un gabarit on va dire à la John Wall. Je n'ai pas besoin de ce joueur-là, surtout j'ai Jordan Bone que je veux prolonger. Après, il peut y avoir de bonnes pioches. Hein. Ce Garuba peut être pourquoi pas intéressant. Il faut voir à qui il est. Channing Frye, c'est-à-dire qu'il stretch. À observer, mais pas non plus le truc le plus fou du monde. Michael Maker, Mike Klung, voilà, Mike McClung, c'est l'autre petit gars sur lequel je craque sur cette draft, alors qu'il a a priori pas des aptitudes qui correspondent à ce que j'aime
à ce que j'aime prendre souvent, mais là, j'avoue, je craque. Je craque, ce mec est trop excitant. Donc voilà, voulez-vous vraiment continuer? Alors, visiblement, il y a des risques de blessure chez McClung. Et puis, on a comme ça voilà, des choses qui apparaissent par rapport aux joueurs qu'on a sélectionnés. Ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que voilà, vous allez voir quoi? Lequel va le moins vite, le plus vite, pardon. Lequel, oui, donc c'est intéressant quand même, hein. Lequel va le moins vite, donc au niveau de la mobilité, on verra que par exemple, mais ça se joue à tellement peu de choses pour le sprint, hein. Vous avez l'agilité aussi qui va être exceptionnelle chez des joueurs comme Cunningham et McClung, et en même temps qui va être plus délicate hein, sur des grands gabarits, ce qui semble assez logique. Par exemple, Badji, il est plus agile par rapport à sa morphologie, puisque je rappelle qu'il fait 2,16 m, hein, le Sénégalais Badji. Bon, ce serait une grosse déception de ne pas l'avoir, hein. La détente aussi, c'est un aspect qui est hyper important. C'est bien, c'est le jeu a bien fait les choses. McClung est un joueur. Si vous avez vu ses highlights sur YouTube ou peu importe sur quel support, mais vous verrez que McClung il claque des dunks et tout. C'est d'un autre monde en fait. C'est un joueur excessivement spectaculaire malgré sa petite taille. On s'aperçoit ici que la détente, quand on est super grand comme ça, on a peut-être moins besoin. Voilà. Donc il y a comme ça une pléthore de choses. De choses qui sont intéressantes en mouvement, 3 points en mouvement par exemple, on va avoir Badji qui n'est pas du tout un shooter, il faut se le dire, etc. etc. C'est pas ça qui va nous affecter, mais en tout cas, on va tenir compte. Alors avant d'aller à la draft, je vais essayer de faire un truc pour maximiser les chances d'avoir ce joueur. Dont je vous ai parlé juste avant. On va voir ce qui pourrait nous être proposé en échange de ce choix 17. Voilà. J'aimerais voir, par exemple, du côté des équipes qui ont un choix proche. Alors, on voit que c'est pas forcément ce qui apparaît en premier du tout, du tout, du tout. On nous propose plutôt d'absorber du salaire, ce qui peut se défendre, hein. Ça peut largement se défendre. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Moi, j'aimerais monter un petit peu à la draft pour sécuriser. Par exemple, qu'est-ce que le Thunder pourrait vouloir contre son choix 14? Ouais, ils veulent qu'une seule chose, c'est le choix 2022 top 3 protégé. Mais moi, en fait, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Parce que. En fait, ce choix 2022 devrait ne pas être très intéressant. Et un deuxième tour, c'est quand même pas non plus un prix exorbitant. Donc, en fait, leur proposition, elle me plaît totalement. Un premier tour 2022 plus un deuxième tour, plus ça paraît fair-play, comme tout, contre un 14e choix. Je prends. Je prends tous les jours. Je prends tous les jours. Ce qui permet d'aller à la draft avec beaucoup plus de confort. Parce que. On va avoir où sont les pics? Ils sont où les pics? J'ai zappé quelque chose. Non, ils sont tout simplement pas visibles à ce stade-là, c'est pas grave. On sait ce qu'on a, on a 14 et 17. On a 14 et 17. Allez. Thunder, ils draftent en 1 en plus. Donc eux, le chemin est tout tracé. Cade Cunningham, c'est le choix logique sur cette draft-là. C'est un meneur incroyable. Le seul souci, mais Shai Gilgeous-Alexander peut jouer deux, donc c'est que j'allais dire la collaboration entre les deux, mais ça fait deux arrières de très grande taille, ce qui est juste une force immense. Donc Thunder fait un coup juste magnifique. Evan Mobley du côté des Spurs, ça se tient, puisque Spurs a besoin de renouveau dans sa raquette, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, Scotty Barnes du côté des Cavs, ouais. C'est très bien. C'est très bien ça. Et puis on va continuer tout doucement. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simuler jusqu'au prochain choix. En espérant que l'ami Badji ne soit pas tombé. Choisir. Moment de stress. On va aller voir, tiens. Résumé de la draft.
Donc Cunningham Mobley. Ah oui, Jalen Green, logique. Terrence Clark. Johnson du côté des Bulls. Caleb Love. Ah, Greg Brown a été pris plus haut que ce qui était prévu du côté des Pacers. Knicks, Boston. Zaire Williams, Kennard. Yes! Ça veut dire que notre cible, Ibu Dziankobadji, il est là. Il est là, Ibu. Alors, c'est sûr que Keon Johnson pourrait être intéressant, hein, DJ Stewart, probablement aussi. Mais là, j'ai aucune hésitation. Aucune hésitation, c'est Ibu Dziankobadji. On profite du moment avec ce grand colosse qui vient nous rejoindre. Je suis sûr qu'il va faire un bien énorme dans la raquette. Ça viendra confirmer l'idée selon laquelle Maker ne re-signera pas. On va conserver ce badge avec, avec l'ami Stewart dedans. Ça va être juste génial. Que font les Hornets? Ils vont prendre DJ Stewart. Ok, on a encore un choix juste après les Suns là. Hein. Donc en prenant 14 et 17, j'ai une fourchette qui me permet éventuellement d'aller prendre McClung juste après. On va voir, on va voir. C'est pas sûr. Qu'est-ce que prennent les Suns? Yes! C'est bon. On va pouvoir prendre McClung. Eh bah, écoutez, c'est pas dommage. Donc, alors, du coup, ça demandera de décaler Jordan Bone en deux. Ce qui est toujours. Ouais, ce qui est faisable. Hein. Ce qui est largement faisable de décaler Jordan Bone. On va s'en occuper. Allez, c'est parti. Moment intéressant là encore. Draft de McClung. On voit Makur Maker qui a encore une bonne occasion, hein, mais qui n'est pas pris. Il y a quelqu'un qui va faire un steal après là, hein, c'est sûr. Hein. McClung, allez. Viens là, mon grand. Donc, c'est bon. Le cahier des charges est rempli et en plus, à moindre coût, j'ai même pas eu besoin de me débarrasser de Christian Wood pour faire ça. Donc, c'est pas mal du tout. Nano du rookie. On peut s'occuper de passer à la suite. Avec confirmation de ce que Badji peut éventuellement ne pas posséder énormément de potentiel, mais quand même être un joueur déjà très très capable. Et donc il faudra voir quand même entre lui et Stewart qui est le meilleur. Et du côté de McClung, il y a quand même une petite marge de progression, on va se le dire. Donc je vais essayer de la pousser, cette marge, on va le faire travailler. Voilà, après, toujours les options. Donc il est évident qu'on garde tout ce petit monde. Le seul sur lequel j'ai un doute, c'est Jerome Robinson. Dans le sens où il n'est pas indispensable, mais on va peut-être l'échanger un petit peu plus tard. On verra un petit peu ce qu'on peut obtenir en échange. Allez, on a déjà lâché un tour de draft, faut pas tout lâcher non plus, hein, mais en même temps, l'équipe doit grandir, donc il faut accepter d'en lâcher un ou deux s'il faut. Hein. Louis King ne fait pas partie, non, je pense pas qu'il se développera trop, comme Cary Thomas, à cause de sa blessure ancienne. En revanche, Jordan Bone, ouais, lui, il faut vraiment le garder. Et Bruce Brown, faut conserver aussi. Donc, ça va être les deux premières occupations à la Free Agency. Ça va être de prolonger ces deux mecs-là. Après, je vais essayer de voir si je pourrais pas trouver un petit bad boy là, un pote à John Wall. Je pense que vous avez quelqu'un en tête pour un petit peu entourer mes intérieurs. Hein, autre indice, on va voir tout ça. Bon, allez, ça va arriver. Donc, je libère du cap hold, hein, puisque en fait, il y a certains joueurs, on sait déjà qu'on ne va pas les re-signer. À partir de là, il n'y a pas le moindre doute. Ça sert à rien de les conserver. Tonemaker, je garde le cap hold, mais c'est vraiment sentimental. En fait, je l'aime bien ce type, mais il faut quand même reconnaître qu'en fait, il ne sert pas à grand chose. Surtout que je vais aller prendre quelqu'un en fait. Hein. Donc, on va rester dans l'esprit. Toujours le même, on fait grandir cette équipe, on va pas chercher Kawhi Leonard, hein, d'accord, ni Paul George, on va plutôt s'occuper de grandir très très calmement, et je vais attendre la fin du moratoire pour donner un contrat à Bruce Brown, qui d'ailleurs va se montrer un petit peu difficile, il veut de l'argent le gars, hein, et bon, je vais aller chercher le petit ajustement qu'il faudra, parce que quand on aura 84 de satisfaction ou d'intérêt, ça veut dire qu'en fait on est très très proche, celui de monter l'offre un tout petit peu. Je n'ai pas envie de partir en exception bird, j'ai envie de payer, mais de payer en fixe pour garder du cap sur un été ou deux qui peuvent suivre. Donc voilà, ça me paraît important de garder un peu de flexibilité. L'équipe n'est pas encore construite non plus. On peut avoir besoin de bouger, de recruter, éventuellement de trader encore. Jordan Bone aussi fait partie du truc. Ouais, c'est DeMarcus Cousins auquel je pensais, bien évidemment. C'est un grand pote à John Wall, hein, en fait, DeMarcus. Et je me disais que pour venir entourer un petit peu Stewart et l'ami
et l'ami Ibadji, le petit Sénégalais là qu'on a pris, ça pouvait être pas si mal. Du coup, je lui offrais un contrat, on prend option équipe quand même en 1 plus 1, dégressif. Demarcus n'est plus au stade où il est très gourmand, mais ça reste quand même Cousins, ça veut dire que c'est quand même très très puissant potentiellement, pour faire des dégâts offensifs notamment. Donc j'aime bien l'idée. Après, c'est sûr que bon, il va accepter, hein. Il peut faire des dégâts, mais c'est pas non plus le mec qui doit prendre 33 minutes par match, hein. On est très clair là-dessus, hein. Il va jouer, il va apporter aussi en mentorat à un des intérieurs jeunes, mais l'objectif n'est pas non plus de piquer le temps de jeu des autres, hein. Il faudra penser à le répartir. Pour ce qui est de la 14e place dans l'effectif, j'ai hésité entre un vétéran et un jeune non drafté mais relâché au deuxième tour. J'ai finalement opté pour Alonso Gaffney en me disant qu'un ailier comme ça, 2m06, pouvait éventuellement posséder une marge de développement qui pouvait m'intéresser. Voilà, je vais comme ça là-dessus, en toute fin de free agency. La progression des joueurs est intéressante, puisqu'on va notamment voir noter le plus 3 de Edwards. Le fait que Wall, après sa blessure, finalement continue à retrouver des moyens, et c'est tant mieux. Mikhailiouk, Little, petite progression. Christian Wood, mine de rien, à 80, c'est pas ridicule non plus. Sekou, on espère qu'il va monter un petit peu plus haut, mais c'est déjà un début. Et voilà, le petit Badji qui est rejoint au final par Stewart, qui à ce stade s'avère au moins aussi bon, hein, donc il va falloir, enfin, moins physique et moins grand, mais. Il va falloir surveiller entre les deux lequel peut vraiment prendre le poste. En tout cas, ça me plaît bien de rester sur une équipe un peu modeste. Parce que finalement, c'est dur d'exister en NBA si on a une équipe modeste comme celle-ci, hein. Bon, on est dans un jeu, ok. Mais c'est pas évident d'exister. Je vais utiliser, une fois n'est pas coutume, le potentiel inexploité sur McClung. Parce que je sais que ce joueur, en fait, possède un gros potentiel. Donc je voulais juste coller par rapport au gars qui a fait la classe de draft et qui peut-être a un poil sous-estimé McClung. Par contre, voilà, pour le reste, pas d'autres exceptions. On n'utilisera pas le potentiel inexploité. Vous savez que j'aime pas trop faire ça. Mais là, je l'ai fait. C'est une toute très très une grosse rareté, hein. Je pense que vous comprenez largement pourquoi. Et on se retrouve en début de saison 2021-2022 avec une rotation à faire. Donc je vais donner évidemment la part du lion à Wall et Edwards, dont c'est l'équipe, hein, évidemment, ces deux-là. Et puis donc notre petit duo sur le backcourt, on l'a, hein, déjà. Et puis après, évidemment, il faut que ça se précise. Donc on va tester des joueurs. Peut-être que certains sortiront, perdront des minutes, gagneront des minutes. Au fur et à mesure, il va falloir voir ce qui fonctionne le mieux. Je sais qu'en fait, ce sur quoi je pars là n'est pas idéal. D'ailleurs, j'ai hésité sur un truc, etc. Mais il faudra juste voir comment ça se passe après, un petit peu plus loin. Je réajusterai. De toute façon, en plus, il y a des blessés. Souvent, il y a des blessés. Donc voilà. Je parlerai de mentorat au prochain épisode. Pour ce qui est de celui-là, on va se contenter de tester les choses sur un match. Sur un match. Après, je simulerai, j'en jouerai 2-3, bref, vous connaissez le truc, histoire d'avancer la saison en n'ayant pas joué plus que 7-8 matchs, quoi, en saison régulière sur 80. Donc, on se retrouve face à des Cavaliers qui ont une particularité, en fait, ils ont même deux, c'est que, alors je vais le dire tout de suite, comme ça m'évitera de m'énerver après. Sexton et Garland, donc très bien, hein, leur backcourt assez de petite taille, hein. En fait, c'est quelque chose que je déteste à Touquet, va jouer quasiment 48 minutes. Voilà. Alors qu'ils ont un banc, hein. Ils ont un banc, je vous montrerai à la fin le banc qu'ils avaient. Il y avait moyen peut-être de faire autrement. Du coup, en fait, ça va fausser un peu le match. Parce que ces deux-là, une fois qu'ils sont. Il ne faut pas hésiter à la pénétration, bien évidemment, hein. Une fois qu'ils sont tout le temps sur le match. En fait, il représente une nuisance par rapport à mes rotations à moi, où quand je suis dans des temps faibles, qu'est-ce que j'appelle un temps faible? C'est par exemple la présence de McClung en défense sur l'un des deux. C'est faussé en fait au niveau du jeu. Le jeu va fausser ce qui va se produire. C'est-à-dire que, forcément, le type va faire un festival quand il a un défenseur un peu moins fort devant lui, parce que bon, sinon, pour le reste, John Wall est capable.
largement, hein, plus que capable. Jordan Bone aussi est un bon défenseur. Edwards, c'est mitigé, on va dire qu'il est en train de progresser, mais c'est pas non plus, c'est pas encore Klay Thompson, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous ai montré aussi 2-3 petites séquences à l'instant, là, un petit peu confuses, avec des fautes, avec des contestations. C'est un peu à l'image de ce match qui aura été, hormis, alors, ça c'est une action éblouissante de John Wall. Quelle action d'éclat, quoi, de notre meneur star, superstar presque. Voilà, vous voyez par exemple ici, il prend un marché sur Edwards, là, mais n'importe quoi, j'étais sur pied pivot et tout, on n'a pas marché, quoi, bref. Donc voilà, toujours est-il que on essaie de rester au contact, mais c'est franchement, c'est pas évident. Surtout que là, par exemple, voilà, bah, Garland fait une sale faute, quoi, une sale faute sur McClung. Bon, on arrive à faire ce qu'on peut. En fait, il faut aussi dire un truc, c'est que j'ai été mauvais au lancer franc sur ce match, plus mauvais que d'habitude. D'habitude, je suis ni mauvais ni bon, mais là, j'étais mauvais. Donc voilà, c'est aussi un truc à prendre en compte. Tiens, un petit buzzer beater au troisième quart. Damn, signé Brown pour fêter son nouveau contrat. Donc match sur lequel, ben, vous allez voir le bilan, il est mitigé. Faut pas juger trop contre Cavs, parce qu'ils ont une deuxième particularité aussi, à part de faire jouer 48 minutes lors de meneur, c'est d'avoir 6 intérieurs dans la rotation. Donc en gros, vous avez Drummond, vous avez Tristan Thompson, vous avez Kevin Love, vous avez Kelly Olynyk qui a été recruté, c'est vrai qu'il avait vraiment besoin d'un intérieur. Hein. Vous avez Zizic au cas où, qui joue même pas de ce fait. Vous avez aussi Willie Colestein. Enfin, bon, voilà, le jeu un peu craqué. Faut se l'avouer. Et puis en fait, moi je vais me faire tatouer en direct là par Dede Drummond, par certains. Surtout que derrière, en plus, on rate le dunk par exemple sur cette action là. Bon, le match va nous échapper en quatrième quart. Il va nous échapper en quatrième quart aussi sur ce type de faute là. On voit qui ça là est certainement justifié, hein, parce que Sexton est touché en l'air, hein, y a pas rien. Mais bon, voilà. Match un petit peu frustrant, mais ça doit pas altérer voilà, l'optimisme par rapport au projet, quoi. Je suis certain que ce projet, il est bon. On voit DeMarcus qui s'exprime, Casey qui se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, lui. Ça, c'est les 20 minutes, hein, 4x5, genre 4x5 minutes, moi. 20 minutes pour les deux, je vous prouve ce que j'ai dit. Donc, ouais, Casey qui va devoir gérer le caractériel DeMarcus Cousins. Bon, je rigole, hein, c'est virtuel. Mais... ouais, je suis assez content d'avoir ramené Cousins à côté de John Wall. Il faut pas oublier que offensivement aussi, il faut prendre nos marques. Je vous avoue, là, j'ai fait exprès, je n'ai pas trop joué sur système. J'ai essayé de jouer plutôt sur pick and roll et également de laisser aussi le jeu me proposer des tactiques. Voilà, mais je le ferai pas toujours. Hein. Je le ferai pas. Oui, il y a Larry Nance aussi. Bref, voilà. On rigole. Et par contre, Porter n'est pas du tout utilisé. Ils ont drafté Barnes en 3, ils ne le font pas jouer. Il y a Trey Jones qui est intéressant. Bref, bon, allez, c'est à se taper la tête contre les murs. On passe à autre chose. Donc, optimisme, hein, pour les Pistons dans une ligue. Dans une ligue qui a été remodelée. Avec notamment Yanis Antetokounmpo du côté du Heat. Donc, ça, c'est quand même un tremblement de terre. Lakers n'a pas bougé. Durant et Irving sont toujours honnêtes. Mais voilà, donc Heat qui recrute Yanis Antetokounmpo, c'est quand même un énorme tremblement de terre, et Kawhi qui a fait son retour du côté des Spurs, et je voulais fêter ça, parce que Kawhi Leonard, vous savez peut-être, est mon joueur préféré en NBA, hein, j'ose le dire, même si Justice Winslow, je kiffe, Chris Dunn aussi, Miles Turner également, Ben Simmons aussi, je suis un gros fan, mais Kawhi Leonard, c'est encore un petit peu autre chose, quoi. Kawhi Leonard, c'est le gars pour lequel je me lèverai à 4h du matin, n'importe où, n'importe quand. Donc, je me suis fait un petit kiff. Voilà, je voulais en pour... Hop là, petite démonstration, la Kawhi mixtape du côté des Celtics pour l'entrée en jeu de ces Spurs, qui ont aussi drafté pas mal. Hein. Ils ont drafté très haut, on le voyait tout à l'heure, hein. Mobley, là, comme ça. Apparemment, il y a eu prolongation de LaMarcus Aldridge, regardez ici, qui se fait plaisir à servir le Dej qui vient couper. Vous allez me dire, voilà, tu pars encore des Spurs, possible, t'en as pas marre. Ben, en fait, non. Non, mais c'est une équipe passionnante.
c'est une équipe passionnante. Et puis à partir du moment où il y a Kawhi Leonard qui vient, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, magnifique mixtape de Kawhi. C'était le petit kiff. Regardez, il y a même Aldridge qui se moque à une main là, à 4 mètres. Et donc, ça aurait été vraiment une mise sous l'été noir pour Jason Tatum, par exemple, qui était assez souvent face-face direct avec Kawhi. Waouh! Il a eu du mal à souffrir, à supporter la comparaison. Hein. Ça a été une boucherie. Et de manière générale, donc, je pense que ces Spurs vont être une grosse menace pour les Dallas Mavericks, que je contrôle également à l'ouest. Donc, je vais vous reparler en fait de cette rivalité à l'ouest. Surtout que les Lakers sont loin d'être enterrés avec le duo Anthony Davis, LeBron James. Donc, à l'ouest, on peut s'attendre à une énorme bagarre à ce niveau-là. Et puis, vous voyez, Tatum bien limité. Et puis à l'est, ben, on peut s'attendre à un Miami Heat qui va être surpuissant, par rapport auquel on aura du mal à réagir. Bucks en reconstruction, fatalement. Probablement New York, hein, qui peut être pas trop mal. Boston, il va falloir voir, je ne sais pas trop. Philadelphie, hein, toujours les Sixers quand même autour de leurs joueurs majeurs. À suivre, tout ça est à suivre à épisode 5. Je vous dis à plus. Bye bye et bientôt, à bientôt pour de la NBA plus régulière. Bye bye.